Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit. Et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Vierge, nous allons voir maintenant le côté relationnel pour vous en cette rentrée. Ah, acceptance. Alors, l'acceptation. Il y a quelque chose qui va se passer relationnellement, quelque chose sur laquelle vous n'avez pas de maîtrise. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, par exemple, vous pouvez être dans un couple qui ne vous satisfait plus entièrement pour certaines effectivement, pour certaines raisons. Ou bien, vous êtes célibataire et vous devez accepter ce fait pendant quelque temps encore. Pourquoi ? Parce que de l'énergie est en train de monter. Ce n'est pas le temps des décisions. C'est rare que je dise ça, hein, mais évidemment, j'écoute l'oracle. Et l'oracle vous dit que vous rentrez dans un temps d'acceptation. Ce n'est pas pour vous le moment de bouger. L'oracle a ses raisons que nous ne connaissons pas. Mais vous voyez que dans cette acceptation, regardez comme cette femme est belle. Alors évidemment que vous soyez un homme ou une femme. Mais regardez surtout ses cheveux qui trempent dans l'eau. Vous savez qu'à chaque fois l'eau, ce sont les sentiments. Et vous voyez qu'il y a des points lumineux, ça veut dire que la magie est là. Donc, pour l'instant, faites confiance, soit dans l'autre avec qui vous êtes, même si vous n'êtes pas complètement satisfaite ou satisfait de ce couple. Ou bien, faites confiance, même si vous êtes seul, faites-vous confiance. Restez, gardez un peu cette solitude. Les amoureux. Alors, les amoureux, ne vous faites pas d'idée, je le dis tout de suite, elle ne porte pas très bien son nom, cette carte. En fait, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de choix de vie. Et on le comprend très bien avec l'acceptation. Lorsque les amoureux tombent, vous voyez, en fait, on a le choix entre deux choses. Ce sont des grands choix, ce sont des choix de vie, ce n'est pas des petits choix. Ça veut dire que pour l'instant, pour vous, il est trop tôt pour vous décider. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants pour prendre une décision, que ce soit au niveau de votre couple ou que ce soit pour vous mettre en couple. N'oublions pas cela aussi. Que vous soyez célibataire, il est encore trop tôt en cette rentrée pour forcément chercher quelqu'un. Je sais que ce n'est pas sympa de vous dire ça, mais c'est la vérité. Attendez encore un peu, restez encore un peu dans cette solitude. Si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, ce n'est pas le moment d'avancer, ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit, ce n'est pas le moment de former un couple. Et si vous êtes en couple, on l'a dit, donc ce n'est pas le moment de quitter votre couple. Ce n'est pas le moment de bouger. Acceptez
de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors regardons maintenant au point de vue de vos activités. Les vastes, ce sont les mains, évidemment, dans le tarot des forains. Ce qui veut dire que vous allez être en grande activité avec vos mains. Donc, ce n'est pas le mental, contrairement à ce que vous aimez, parce que on sait bien que vous, Vierge, vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque. Hein, je le dis souvent, je le redis, quand je donne les caractéristiques des signes. Parce que, pourquoi ? Parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous ne savez pas trop agir dans le monde des humains. Et du coup, vous réfléchissez à des stratégies. Comment je vais faire passer mon idée ? Parce que vous ne savez pas être simple à ce niveau-là. Alors là, par contre, en cette rentrée, on voit que ce sont vos mains qui agissent. Ce qui veut dire que tout l'été, vous avez certainement élaboré vos plans. Ça, on vous fait confiance. On sait que vous êtes toujours avec un train d'avance. Et donc, à la rentrée, vous allez mettre tout ça en place, en pratique. Alors, aïe, on voit que si vous voulez, c'est un peu compliqué. On ne vous suit pas forcément. Alors, l'éveil libérateur, heureusement qu'il est libérateur, mais c'est quand même une route très, très, très sinueuse. Méfiez-vous dans le sens, ne vous faites pas trop d'illusions sur cette rentrée, elle va être compliquée pour vous. Vous avez peut-être pensé à un idéal de projet, vous avez peut-être travaillé beaucoup cet été, eh bien, à la rentrée, les choses vont un petit peu s'écrouler, disons-le, mais le bateau ne sombrera pas complètement. Il va, vlouf, rester, se faire balader peut-être, mais rester sur les flots et vous arriverez à vos objectifs, mais un peu plus tard dans l'année. Donc, ne vous énervez pas. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais c'est très bien, il ne faut pas penser que ce n'est pas bien du tout. Mais par contre, je vous le dis, je vous le répète, ne soyez pas démobilisés à la rentrée. Il va y avoir des oppositions, il va y avoir des choses qui ne passent pas, on va vous dire non. Voilà, ça ne sera pas contre vous, mais ça peut être des questions de budget, ça peut être que les gens ne sont pas prêts, ils ont peur, vu les circonstances, tout ce qui arrive, etc. Donc ne vous énervez pas, restez tranquille, mais sachez que vous n'avez pas travaillé pour rien, mais que peut-être vous ne pourrez pas, sûrement d'ailleurs, placer tous vos pions dès la rentrée. Alors, au point de vue santé, la justice. Ah, alors ça, en santé, c'est une carte un peu particulière. Je dois vous dire que si vous avez fait du jogging, que vous avez bien bu de l'eau ou des tisanes, ce que vous voulez, vous allez faire une rentrée en parfaite forme. Mais si vous vous êtes un peu laissé aller à manger trop de glace, à des extravagances ou à ne pas faire assez de sport, ou etc., à vous prélasser sur la plage sans rien faire, eh bien, vous allez le payer à la rentrée par un petit poids en plus, etc. Donc, la justice, ça veut dire qu'on va vous rendre la monnaie de votre pièce au niveau de la santé. Alors, bien sûr, rien de grave, rassurez-vous. Mais si vous avez fait des excès pendant l'été, eh bien, à cette rentrée-là, tout de suite, là, mais non, parce qu'en plus, on est un peu avant la rentrée, vous avez de la chance, hein, je vous préviens d'avance, buvez, prenez des tisanes, drainez votre corps, faites un peu d'exercice, allez marcher, allez courir, et vous aborderez la rentrée avec une belle forme. Au point de vue financier, fondation solide. Ah, bon, avec vous, ça ne m'étonne pas. La Vierge est un signe de terre, elle aime les fondations, et puis la Vierge ne supporte pas. Alors, je dirais même plus, la Vierge est terrorisée par le fait de manquer. Si vous trouvez sur votre route quelqu'un du signe de la Vierge qui manque d'argent ou qui dépense à tire-larigot, etc., ce n'est pas une dominante Vierge, croyez-moi. Donc, les fondations solides financières pour vous, ça ne m'étonne pas, c'est toujours le cas. Il faut vraiment que vous vous fassiez avoir pour que vous n'ayez plus de sous. Vous êtes vraiment dans le béton à ce niveau-là. Vous voyez les briques là. Oh, ça, c'est vraiment vous. Donc, pas de peur au niveau financier. Voyons maintenant pour vous ce que vous dit la mère universelle, son conseil, sa parole, ami vient. Notre-Dame du changement pacifique. Ah, vous voyez, hein, c'est pas le moment, c'est pas encore le moment,
Notre-Dame du changement pacifique. Si Notre-Dame du changement pacifique est venue à vous, ce n'est pas pour rien. Écoutez sa parole. Un changement est en cours. C'est un changement qui a été déclenché par des prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi, mais il faudra le passer. C'est un passage. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que ce passage se fasse bien, à ce que cette mutation entre ce que tu veux et là où tu veux aller se fasse dans les meilleures conditions. Tu seras en sécurité avec moi, dans mon cœur, durant cette transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes plutôt qu'à des contrariétés inutiles. Regarde tout ce que tu as déjà fait de beau et continue dans cette voie. Tout le monde rate quelque chose. N'en sois pas désagréablement atteinte ou atteint. Aie un peu plus confiance en toi et en moi. Et sache que les changements que tu traverses actuellement, ou qui sont imminents en fait, sont en fait une véritable bénédiction. C'est ma réponse à tes prières. Voilà pour vous, amis vierges. Notre-Dame du changement pacifique, faites confiance. Ça ne peut pas être fait maintenant, ça le sera plus tard. Vous le savez, alors croyez-le. Et maintenant, nous allons voir les influences des astres, des planètes, sur votre signe pour cette rentrée, et puis vous aurez droit aussi à votre surprise. Vierge, voyons les aspects, les transits astrologiques sur votre signe en cette rentrée et qu'est-ce que cela implique. Alors, pour vous, ce sera le temps d'être sous les feux de la rampe malgré vous. Et oui, ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Et d'autre part, évidemment, joyeux anniversaire aux Vierges du mois de septembre, puisque ça sera votre anniversaire en septembre. Mais ces aspects sont valables pour toutes les vierges, ne vous y trompez pas. Alors, vierge, vous êtes ici. Vous voyez évidemment, c'est votre mois anniversaire, le soleil est encore chez vous pour quelques jours, donc en septembre, eh bien, il y a des vierges qui ont leur anniversaire, on est bien d'accord. Bien. Pour toutes les vierges, donc, ce soleil est encore chez vous jusqu'au 22 septembre. Alors, pour tout le monde, pas seulement que pour les vierges dont c'est l'anniversaire, le soleil sur votre signe est en excellent aspect avec justement Jupiter, Pluton et Saturne. Alors, gageons que vous aurez du nouveau dans les affaires, mais sur des projets déjà entamés et travaillés. Par contre, alors n'oubliez jamais que vous êtes en opposition à Neptune, qui est en poisson, en plus... le poisson, c'est sa maison à Neptune, donc elle est d'autant plus puissante, même si elle est rétrograde à la rentrée. N'empêche, soyez particulièrement vigilante et vigilant, mes vierges, à ne pas vous tromper sur les intentions des autres. Vous le savez, je vous l'ai dit 50 millions de fois, vous en avez marre d'entendre ça, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le redire parce que c'est une réalité. Je vous rappelle que Neptune en opposition à vous vous rend particulièrement sensible à prendre les vessies pour des lanternes. Alors, méfiance quant à accorder votre confiance à n'importe qui, mais même si la personne semble bien sous tout rapport, méfiez-vous, ce ne sont pas celles qui viennent vers vous avec des fleurs qui sont les plus sincères. Voilà, c'est dit une fois de plus. Nous passons maintenant au début du mois d'octobre. Pardon, excusez-moi, vous êtes ici. Alors, regardez, en octobre, c'est Vénus qui vous rend visite. Et ça, c'est plutôt sympathique. Tout devient possible en amour pour vous. Pourtant, à la fin du mois d'octobre, lorsqu'elle vous quittera, lorsqu'elle va venir ici, qu'elle va passer dans la balance, vous apprendrez peut-être une chose un peu contrariante et qui risque de vous mettre mal à l'aise. Et oui, mais bon, comme on dit, on est humain et le couple ne va jamais sans risque. Alors, si on regarde la mi-novembre,
vous êtes évidemment ici, certains de vos projets risquent d'être remis en cause car Saturne, qui est donc ici, est en, même si elle est en bon aspect, on va dire, avec vous, mais quand même, comme elle est repartie droite, elle entraîne un peu, elle envoie une dernière salve au signe de terre, et cela devrait remettre en question un ou quelques-uns de vos projets de rentrée fin novembre, mais ça sera de courte durée, ne vous inquiétez pas, disons qu'en janvier, vous pourrez redémarrer sur ce projet ou sur ces projets. Alors, en somme, en conclusion pour vous, amis vierges, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est une rentrée qui est pleine de rebondissements de toutes sortes. Une fois, ça marche, une fois, ça ne marche pas. Une fois, l'amour, et une fois, vous êtes un peu déçus. Mais cependant, vous verrez que vous en tirerez certainement toute la quintessence et cela vous aidera à grandir, à avancer dans le milieu de l'année et vous tirerez de toute façon, je vous le garantis, votre épingle du jeu, comme d'habitude. Et maintenant, pour vous, amis vierges, votre surprise. Vierge, voici votre surprise de rentrée. Choisissez votre carte surprise. Si vous avez choisi la carte numéro 1, quelqu'un que vous admirez, qui a de l'autorité, va vous dire quelque chose d'important. Carte numéro 2, une surprise amoureuse. Carte numéro 3, vous avez un vœu dans votre tête ? Il se réalisera. Carte numéro 4. Un petit voyage ou un départ. Carte numéro 5. Une surprise financière. Voilà pour vous, Vierge. Je vous souhaite une belle rentrée. Hein, et puis, tout ce que vous pouvez espérer, que ça arrive vers vous. Et je vous dis à bientôt.